Yo tout le monde, c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Rayman 2 The Great Escape. On se retrouve au niveau de la petite plateforme qui tourne là avec la lave. On avait un petit peu essayé la dernière fois et on avait déjà un petit peu galéré, mais surtout on était arrivé à un endroit où on était obligé de se suicider. Alors c'était un petit peu étrange, mais bon, alors j'entends une cage, mais je me souviens qu'à la fin, on avait vu où elle était, mais j'arrivais pas à la viser. Alors, j'essaye vite fait, un peu en aveugle, de voir si je peux essayer de la voir, mais je sais absolument pas où elle est, donc c'est pas grave. Bref, on va essayer, nous, déjà, dans un premier temps, d'aller ici. Ça commence bien. Alors, attends, est-ce que je peux bouger la caméra, là? Je peux pas bouger la caméra, ok. Alors, je sais que j'avais déjà galéré à monter, c'était ici. Ne serait-ce que ça. Hop. Ok. Vas-y. Ah, j'y arrive pas. C'est fou. Ok, faut qu'on rattende un tour, du coup. Le temps que la plateforme arrive. Et ouais, avec cette colonne de lave, là. On est coincé entre le feu et la lave, clairement. Oula. Ok, c'est bon. J'ai réussi à passer là. Ah, attends. Ça bouge pas. Ah, alors ça bouge pas. Donc ça m'intéresse parce que je vais peut-être pouvoir... Alors... galère un petit peu à contrôler la caméra, mais j'allais dire, je vais peut-être pouvoir viser la cage si j'arrive à voir où est-ce qu'elle est. Ah, parfait. Donc déjà, j'arrive à voir qu'il y a des looms ici. Oui, c'est la cage. Mais la cage, je crois qu'elle était en dessous en vrai. Hein. Par contre, les looms, comment je vais les chercher en vrai? Comment je vais chercher ces looms là? Je ne sais pas. Écoute, on va aller ici, et puis on va voir peut-être qu'on va y accéder par. Par autre part. Oula! Eh oh, j'avais pas vu! Ok. Alors je pense qu'on ne va jamais y accéder à cette cage, du coup, je pense que c'est grillé là. Ok. Alors par contre, ouais. Un peu chaud là. Hein. Un peu chaud ce qui m'est arrivé. Par contre, ouais, j'allais dire quand même là. Quand même. On va attendre, j'ai vu. Ah, mais j'entends encore une cage! Ok, attends, il y a un timing? Ok. C'est bon, je l'ai eu. Alors, j'entends une cage, mais est-ce que c'est la même? Je pense pas que c'est la même. Mais alors, où est-ce qu'elle est? Ah, je l'ai vue. Ah, elle est en bas. Ok, celle-là, je pense qu'elle est un peu plus jouable, déjà. Parce que là, j'ai vu qu'on pouvait descendre par ici. Un peu plus jouable. Ouais, en vrai, elle est jouable. Faut pas que je fasse de bêtises. Mais c'est jouable. Ok. Voilà. Hop, là, à mon avis, il faut que je revienne ici. Ah non, je peux pas! Bon, bah, tant pis, on aurait eu la cage. Je pensais que je devais revenir là, parce que j'avais pas le temps de faire la cage plus d'avancer. Mais, ok, très bien. Hop! Voilà. Là, on reste pas, parce qu'on sait que ces trucs-là, généralement, ils tombent. Alors là... Attends, je peux aller par là aussi. Ah bah attends, on va prendre le checkpoint déjà. Oh bah ok, je pense que c'est par là. Mais c'est marrant parce que l'autre côté, ça nous laissait un peu penser qu'on pouvait y aller aussi. Ok, voilà, c'est bon, le timing. Hop. Ok. Attention. Ok. Ah oui, d'accord, le timing, c'était pour que la plateforme sur laquelle j'étais là s'avance. Ah ouais, j'ai vraiment eu le ultra bon timing parce que... Par contre, on va avancer, on va essayer d'avancer parce que là, sinon ça va être galère. Ok. Je vous vois les chenilles là. Voilà. Voilà les chenilles. Ok, attends, c'est la fin du niveau là, j'avais pas tilté. Hop, vas-y, fais ta danse, sors-nous du niveau, dépêche-toi. Ok, c'est bon, il y en a. Merci, Rayman. Je vais t'ouvrir la porte qui mène sous le sanctuaire. Sur place, tu trouveras un des masques. Vas-y, moi, je dois retourner au cercle. Très bien. Par contre, j'ai loupé un loom, ça. Attends, rentre pas. Ah non! Attends, reviens juste avant, j'ai loupé un loom. Mais dis donc, par contre, ce niveau est ultra long, hein.
Parce qu'il y a sous le sanctuaire... Ah oui, alors là, par contre, on va pas pouvoir y retourner en arrière. Bon. Ah, quoique, attends, on peut peut-être y aller par là. Sanctuaire de lave. Uh-huh. Et donc là... Attends, je peux pas voir parce que j'ai vu qu'il y avait des looms, là. Comment je vais chercher ce looms? Il y a des looms, je me demande vraiment comment je vais les chercher, en vrai. Hein. Celui-là, là, pour le coup... Alors, je peux aller le chercher, en fait, hein, c'est pas le souci. Mais alors, derrière... Comment je suis censé rester en vie? Bon, bref. Bref. On y va. On est parti pour le sanctuaire. Alors, j'ai très peu de vie. Donc, il va falloir qu'on se soigne assez rapidement, à mon avis. Sinon, ça va être galère. Bref, rentrons dans le sanctuaire. Ok. Ah, bon, déjà, là-bas, il y a de la vie. Ça, c'est cool. Très bien. Waouh. Qu'est-ce qu'il a vu? Je sais pas. Il y a Murphy là, non? Ah, il y a Lee! Ok, j'ai vu qu'il y avait le truc de Murphy aussi. Rayman, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commence par la bonne. J'ai réuni assez d'énergie pour te donner un pouvoir. Oh, un nouveau pouvoir! Oh, ouais! Tu peux désormais voler avec ton hélico. La mauvaise nouvelle, c'est que ta quête sera plus dure. Alors un conseil, sers-toi du vol en hélico. Pour cela, active l'hélico, puis laisse la touche croix enfoncée. Presse la touche L2 pour te déplacer de côté, ce sera plus facile. Alors j'avoue que je vois pas trop. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, on peut s'envoler, d'accord, vraiment comme ça. Très bien, on vole les appuyer pour le super hélico. Et L2 sur le côté. Attends, j'ai peur de me prendre des... Attends, L2 c'est quelle touche que je regarde? C'est cette touche là. Ah, attends, faut que je fasse ça. Et L2 sur le côté. Ok, bon, je comprends pas trop l'intérêt d'utiliser L2. Mais ok. Ouais, par contre, j'allais dire. Je m'en doutais, hein. Je m'en doutais, mais c'est pas grave. J'allais dire, il va pas falloir que je vole trop pour pas toucher les ronces. C'est pas grave, au moins comme ça, je commence le niveau full vie. Ah, par contre, on va re-avoir la cinématique. Ah, on va peut-être re-avoir la cinématique, du coup. Waouh. Ah, bon, ah, je l'ai passé, ok. Ce que j'allais dire, on vient de l'avoir, clairement. Ok, donc c'est ça, en fait, faut que j'appuie de temps en temps. Voilà, parfait. Ah, du coup, par contre, je peux plus lâcher l'hélico. Ça, c'est un peu galère. C'est un peu galère. Oh, tu te calmes, là. Ok, alors, où est-ce qu'il faut qu'on aille? Où est-ce qu'il faut qu'on aille? Ah, alors je vois qu'il y a une porte là-bas. Ok, alors j'ai juste peur d'un truc, mais... Ah mince. Ok, c'est bon. Là je suis calé avec le plafond. On est bon. Alors j'ai pas trop compris cette histoire de L2, mais soit... je sais pas comment c'est passé. En vrai, pour moi j'étais dans la lave là, hein. Vraiment. Vraiment, j'étais dans la lave. Mais ok. Magie par laquelle je ne sais pas. Oh, très bien. Très bien. Une petite cage. Ouah ! Ok. Calme-toi. Il y a de la lave là-bas, en fait, ça continue. Mais non, ça continue pas du tout là. Où est-ce que je suis censé aller là? Attends. Vas-y, vole. Je peux aller nulle part, là. Je peux aller nulle part. Ah si, ça y est, j'ai compris, voler de côté. C'est que ça bloque la caméra, en fait. Bon, après, ouais. Ok, donc en fait, là, c'était pas la suite du niveau, là, en fait.
Ah, alors attends, parce que moi je veux surtout pas tomber dans la lave. Donc du coup j'appuie comme un gros bourrin pour pas tomber dans la lave justement. Ah mais je suis bête. C'est là qu'il faut aller. Il faut remonter là. Il faut remonter là, bah oui je suis bête. Je suis bête, il l'a regardé en plus. Voilà, attention. Ok. Ok. Waouh, mon dieu, ça va être horrible. Ça va être horrible. Allez, allez, touche la liane là quand même. Allez, mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, vas-y. Ah! Ah, oui, ça va être galère. Hein. Ça va être bien galère, je sens. Va-t'en, la chenille! Va-t'en, la chenille! Ok, 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 ok. Ah, j'allais dire, je vois pas grand-chose en haut, donc je sais pas si je suis bon ou pas. Ok. Allez, allez! Oh la vache. Ça va être compliqué. Mais on va essayer de faire en sorte d'y arriver. Allez, allez, allez. Ok. Ok, je vois pas grand chose, je vois pas grand chose. La caméra, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais la caméra? Qu'est-ce que tu fais la caméra? Remets-toi en face. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Ok, oh mon dieu. C'est pas agréable, agréable à faire, hein. Mais c'est pas simple non plus, hein. Ok, on va déjà casser la... Attends, est-ce que j'ai vraiment fait ce que je viens de faire, là? J'ai cru que j'avais sauté un peu... Non mais attends, c'est une blague? Il y a du vent, en fait, non? J'ai l'impression qu'il y a du vent, parce que... Mais ouais, il y a carrément du vent en fait, hein. Il y a carrément du vent. Ah, super. J'allais dire, attends, j'ai sauté sur place et je me suis fait... Ok. Ouah. Oh la vache. Oh la vache, oh la vache, oh la vache, oh la vache. Ah, attends, mais il y a trop de touches à appuyer en même temps, là. Il y a... Oh non, vas-y, il faut que je passe dans ce tout petit passage, là. Ah, puis à chaque fois, il faut que je refasse tout. Vous êtes sérieux? Ok, ok. Ok. Ah, j'ai loupé la porte. J'ai loupé la porte, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Oh, mon dieu. C'est trop dur. C'est trop dur, c'est trop dur. C'est trop dur, c'est trop dur. Ok, il y a un checkpoint, il y a un checkpoint. Je prends le checkpoint, j'ouvre la porte. Ok. Au moins, j'ai le checkpoint. C'est toujours ça de prix. Allez, on continue. Ah ouais, non mais là, tu m'étonnes. Elle a dit, ouais, un nouveau pouvoir, bonne nouvelle, par contre, ton truc va être plus dur. Ah bah, je vois ça, ouais. Je sais pas comment c'est passé. Je ne sais pas comment c'est passé. Ok, voilà, à la limite, là, voilà, des passages comme ça, ça va. C'est assez haut, on a de la place. Ça, j'aime bien. Ah, ça, j'aime bien. Sauf que... Oh, petit checkpoint, là, parfait. Ah, j'ai loupé un... Ok, alors, par contre, j'ai géré sur l'ouverture de la porte, là. Ouah, ouais, ça pique les yeux, hein. Ça pique les yeux. Ok. La porte est ouverte. Ouais, au doux, je l'ai touché, là. J'étais pas dessus, hein. Je tiens à dire que j'étais pas dessus. Et par contre, ça me permet... Ah, non. J'allais dire, ça me permet de rattraper le looms, mais non. Ok. En vrai, ça va comme zone. Par contre, j'ai l'impression que plus ça, plus les trous sont petits, là. Hein. Hop. Ok. Ok. Ok, petit looms. Petit looms. Allez, allez, allez. Et hop, on s'arrête. On s'arrête parce que j'entends une cage déjà. J'entends une cage, je ne sais pas où elle est. Mais j'entends une cage. Ah, elle est en dessous, je crois. J'ai cru avoir vu... J'ai cru avoir vu une cage. Oui. Oui, j'ai vu une cage. Oui, j'ai entendu la cage. Très bien, parfait. Bon, là, il n'y a plus de vent au moins, donc ça, c'est bien. Là, c'est bien, même si j'entends quand même 2-3... Ouais, je fais vachement bien le vent, vous voyez. Ok, très bien. Eh oh, arrêtez là, arrêtez de m'embêter. Voilà. Ok, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, on continue. On continue, on continue. Ah ouais, non mais j'avoue que ce pouvoir-là est un peu traite, parce que oui, ça ouvre de grandes
de grandes possibilités. Mais alors par contre, en termes de difficulté également, quoi. Hein, pour le coup, ça va là. Ça va là, toujours plus. Ça va là, toujours plus. Ok, alors là, je me fais souffler. Il y a des colonnes de lave. Je vois pas la moitié du terrain avant d'y être arrivé. Mais ça va, hein, c'est ok. C'est ok, c'est ok. Et donc là, j'ai tout loupé. Hein. J'ai loupé tous les looms. Oh, quelle horreur, quelle horreur. Quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Je déteste ce genre de truc. Ok, j'ai eu un checkpoint. Ah, c'était chaud, c'était chaud, c'était chaud. Bon, j'ai eu un checkpoint. Ah oui, mais non, là par contre, je suis totalement mort. Oh non, je vais reprendre de où? Ok, je reprends de là. Très bien. Bon, ça va, c'est pas si loin que ça. C'est un peu galère, quand même, on va pas se mentir. Mais, ça va. Ok, alors j'ai vu qu'il fallait plutôt que j'aille de ce côté-là. Très bien. Alors par contre, après, de l'autre côté... Ouais, non, mais attends, vas-y, toujours plus, quoi. Toujours plus! Allez, Rayman, à toi de jouer! Allez, 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 on l'a fait! On l'a fait, on peut le refaire. Bon, désolé, ce loops-là, mais je vais pas le chercher, hein. Clairement. Par contre, je vais bien chercher... Moi, c'est le looms de vie qui était là. Ok. Voilà. Déjà, ça me fait récupérer un peu de vie. C'est pas mal. Ok. Ah, par contre, ouais, j'arrive pas... Oh, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Je sais pas comment je l'ai passé tout à l'heure parce que le timing est vraiment serré. Hein. Le timing est vraiment très, très, très serré. Ok. Là, je suis bon. Ah, du coup, le looms de vie, il y est plus. Mince. Je pensais qu'il était à chaque essai. Alors, je vais essayer un truc, c'est... Ah, c'est ça, en fait. Faut que je fasse revenir Rayman un peu vers moi, comme ça, ça diminue la vitesse. Ouais, bon, par contre, effectivement. Ça diminue la vitesse à laquelle il avance, en fait. Hop, pour les passages un peu chauds, genre avec la lave, là, et tout. Et notamment, c'est peut-être comme ça que je peux passer ici, en récupérant ce looms. Et bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, moi j'ai eu le looms. Okay. Ah non, mais je suis encore remort. Oh là là. Eh, ce passage est compliqué en vrai. Hein. Bon, moi j'ai les looms. Là, j'ai plus à m'occuper du looms là. Parce que c'est vrai que ça faisait 3-4 fois que je passais. Et à chaque fois, ils se disaient, ah, mais il faut passer à droite. Et moi, je préfère passer à gauche. Mais ok, on est bon. Ah, par contre, le looms rouge là qui revient. Parfait. Ok. Ok, ok, et là, voilà, histoire d'avoir bien le timing de monter. Voilà. Ok. Alors là, je t'avoue que celui-là... Oh, je l'ai eu, mais alors, du coup, faut que j'en commence depuis le début, hein. J'avoue que tout à l'heure, je crois que je suis pas passé par là, hein. Oula, attention. Attention à pas aller trop vite, quand même. Hop. Ok. Là, on est bon. Là, on passe de ce côté. Très bien. Ensuite, là. Vas-y, 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 vas-y. Ok, c'est bon, c'est bon. Effectivement, en tirant un peu Rayman vers moi, ça passe. Ouf. Ok, ok. On est bon, on est bon. Je crois que je suis mort là tout à l'heure, hein, non? Oh, checkpoint! Ah ouais, je suis vraiment mort juste avant le checkpoint au final. Ah ouais, non, mais alors là, tu vois les ronces vraiment au tout dernier moment, quoi. Hein. Tu vois les ronces vraiment au tout dernier moment. Ok. Oh non, j'ai loupé une cage! Je l'ai entendu. Ou alors, il y a une cage là, je sais pas. Stop! Oh non, j'ai loupé une cage. Attends. J'ai loupé une cage ou alors il y a une cage pas loin? Ah ouais, non, mais alors, attends. Non, 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 non. Attends. Ou alors, c'était là où je me suis arrêté. Attends, où je reprends de où, là? C'est quoi ce délire? Je reprends en plein milieu là, je pensais que j'allais reprendre la zone Ok, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Ok, je sais pas où il y a une cage en fait. J'essaye de tirer. Ça se trouve c'était peut-être là. Ah non! En fait, ouais, j'avais bien fait de m'arrêter ici. Ok. Oh 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 oh. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Eh, ça va vite à cet endroit là, hein. J'ai l'impression que ça sprint à mort. Ok, je vois pas de cage, hein. Je vois pas où est la cage, au cas où. Non mais c'est une blague, j'arrive plus à me poser alors que j'ai réussi dès le début.
J'aurais su, je serais allé voir ce qu'il y avait. Ok, j'ai tenté un autre passage. C'était pas bon, j'aurais mieux fait de rester en dessous. Ok. Oh, direct, ça m'envoie dans les ronces, là. Ok. Allez. Ok, je reste en dessous. A priori, ça marchait bien en dessous. On s'est bien débrouillé. Ok, je sais pas où est la cage. Ça me stresse. Voilà, parfait. Bon. Alors du coup, déjà ici... Ah bah déjà, il y a un checkpoint. Ah bah, elle est là, la cage, en fait. Ah, mais il y en a deux, en plus. Attendez, il y a deux cages. Attends, comment je fais? Ah, voilà, ça. Ok. Ah, mais du coup, c'est bon, j'ai alors toutes les cages. GG. Cool. Très bien. Et en plus, des petits looms. 37 sur 50. Très bien. Oh, même plus que ça, parce qu'il y en a quelques-uns là. Alors, il y en a un que j'ai loupé, mais malheureusement, je vais pas pouvoir aller le chercher. Parce qu'avec le vent, je vais me faire souffler, certainement. Ok, 39 sur 50, vraiment pas mal, hein. Vraiment pas mal pour un niveau qui est quand même assez galère, on va pas se mentir, hein. Ok, doucement. Eh oh ! Mais ça va, là, hein. Bon, moi, j'ai le checkpoint. Au moins, le checkpoint est pris ici. Ouais. Ok, c'est bon. On se remet. Oh ! Oh ! Ah ouais, en fait, plutôt que de tirer dessus, je ferais peut-être mieux de les esquiver carrément. Parce que là, j'avoue que ça me fait me déconcentrer un peu. Et c'est pas terrible. Après, je peux essayer de spammer un peu, genre un gros bourrin. Ouais, non, attends. On va se concentrer. On va se concentrer sur essayer de passer et on va pas tirer dessus, hein, parce que clairement c'est un peu la galère, on va pas se mentir. Ok. Oh non, mais c'est une blague, en plein dans les cailloux, même pas dans les ronces, quoi. Ah, puis en plus j'ai fini, je suis mort. Alors je reprends où? Oh, je reprends là. Bon, au moins tous les looms sur le chemin, on s'en occupe pas. Allez, on le connaît ce chemin. On le connaît, ce chemin. On n'a pas à s'en faire. Ok. Très bien. Allez. Voilà, attention à la lave. Ok, vas-y, monte. Allez, on le fait en one shot. Jusqu'à là où on était tout à l'heure. Allez. J'y crois. J'y crois. Alors ce passage-là, ouais, j'avoue que celui-là était un peu chaud. Allez, déjà, un checkpoint. Ok. Eh, pas trop mal. Je peux même me permettre, tiens, d'aller chercher ce loom-là. Ah non, même pas. Alors attends, par contre, si je peux m'arrêter... Bon, je m'arrête pas, tant pis. Tant pis, j'ai pas eu ce checkpoint là. C'est dommage parce que pour reprendre c'était un peu plus pratique. Ok. Voilà, j'esquive. Bon, c'est pas grave, hein. Je perds les looms. Ok, vas-y, tire. Ah, c'est bon. Ok. Eh, je l'ai one shot, en empêche, mine de rien. Ok, ça se referme sur nous. Que va-t-il se passer? Oh, derrière toi! Derrière toi, Rayman! Ah, j'adore comment il tombe à chaque fois. Ok, alors là, par contre, il m'a fait tomber en plein dans la lave, là, si je me trompe. Je ne peux plus voler! Oh non! Frukt, gardien du sanctuaire de terre et de lave. Oh! Fuis, il va te brûler! Ah! Ah! Ah, d'accord! En fait, je peux pas le toucher du tout. Ok, par contre, je veux bien la caméra dans l'autre sens. Ah, super. Génial. Fuis, il va te brûler. Ouais. J'ai bien vu. Ok. Vite. Ok. Vite. Alors, par contre, je fais que fuir, mais il y a un moment, il se passe quelque chose ou... Oh là. Attention. Oh mince.
Mince. Ok, parce que là j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond là. Ok. Très bien. Enfin très bien, non, pas très bien, mais bon, on fait comme on peut. Ok. Ok. Oh, j'aurais pu monter au-dessus, en vrai. Ok, bah je continue de fuir, hein. Ok. Voilà, attention, je l'ai pris un peu chaud le timing. Ah bah attends, on a refait un tour. Je pense que l'étoile d'araignée, il fallait s'en servir malheureusement. Et j'ai totalement zappé. Ah mince. Ok. Vas-y, non, qu'est-ce que je fais? Oula. Sers-toi des stalactites. Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Bah merci de me l'avoir dit, hein, parce que là j'avoue que je pouvais pas deviner. Hop, voilà, attention. Hop, ok. Donc du coup il faut que j'utilise les toiles d'araignée, je tire sur le stalactite, ok. Ah, alors, dans la théorie c'est ça, dans la pratique il faut que j'arrive à ne pas mourir. Ok. Ok. Non, c'est pas grave. Ok. Hop. Ah mais attends, comment je fais pour ne pas mourir en fait? Une fois que j'ai envoyé le stalactite, parce que j'ai l'impression qu'il tourne en rond et que je peux pas trop esquiver son attaque. Ok. Ah, en fait, faut que je réactionne l'hélico derrière. Ok. C'est bon, je l'ai. Oula, par contre, là, il est vénère. Il m'envoie plein d'attaques, là. Ouah ! Au secours ! Ok, pas mal. Voilà, attention. Ok, plus qu'une et on est bon. Par contre, il va certainement plus s'énerver. Ah mince. Fais attention à toi, Renan. Ah ouais, non mais là, il est vénère, il est ultra vénère. Eh, ça va, hein. Non mais oh. Ok. Vas-y, on est bon. Hop. Haha. Déjà, attends, je vais prendre la vie. Oh bah c'est bon, j'ai tout pris la vie. Yes. Par contre, j'arrive pas à viser un pauvre anneau, là. Mais c'est fou. Ah, ça y est. Ok. Attends, il faut certainement que je retourne ici. Parfait. Alors, faut que j'aille au milieu ou faut que j'aille où? Ah ah, là, il y a une flèche qui me dit d'aller là. Alors, je vois pas trop ce qui se passe. Donc je descends doucement, mais j'avoue que... Ah si, c'est bon. Bravo Rayman, désormais tu peux utiliser le vol en hélico au-dessus de la lave. Ah. Et le troisième masque. Le voici. Il fait un peu la tronche, hein, celui-là. Mais en tout cas... 3 sur 4. Eh ben, c'est une bonne chose de faite. C'est une bonne chose de faire. Heureusement que Lee était là pour donner des conseils parce que j'avais pas trop compris comment on faisait le boss. Félicitations, tu as trouvé le troisième masque. Encore un masque et le miracle s'accomplira. Très bien. Ok, 39. Bon, accès refusé, effectivement. Mais on a libéré tout le monde. Moi, je suis content. Très bien. Hop, et on est de retour. Rayman, c'est horrible. Les pirates ont réussi à s'emparer de Clark. Il paraît qu'ils sont en train de tenter des expériences sur lui.
il y a une entrée vers leur laboratoire, quelque part dans la caverne du crâne. D'accord. Alors après avoir capturé Globox, maintenant il capture... Clark. Ok, et par contre on est pas revenu là où je pensais, là on est revenu à côté de celle de Globox là. On n'est pas au même endroit si je ne me trompe. Bref, en tout cas, eh ben écoutez, on a réussi nous à faire notre petit sanctuaire et à récupérer le troisième masque. Donc ça je suis plutôt... Oh, le puits magique, attendez. On m'a dit plusieurs fois d'y aller au puits magique. Parce que... Alors je sais pas si c'est là. Oui, c'est là. Utilise la manette analogique pour faire défiler la liste. Presse la touche croix lorsque tu as fait ton choix. Oh, comment il parle. Puisque ici, en fait, je peux améliorer mes pouvoirs, en fait. La dernière fois, on avait amélioré notre vie avec les mini-jeux. Et en fait, ici, je peux améliorer mes pouvoirs. Alors ça, c'est fun, ok. Course tonneau, prix 50. Ok, accumulation 1, prix 70. Cadence de tir, 150. Rebond 1. D'accord, prix 90. J'avoue que cadence de tir, ça m'intéresse pas mal. C'est assez cher, mais en vrai, ça peut être cool. Donc vas-y, on va prendre ça. Cadence de tir achetée. Très bien. Très bien, très bien. Accumulation. Ok, ça j'ai déjà acheté. Et ça rebond, je crois que c'est notre pouvoir là qu'on envoie peut rebondir. Donc ça peut être cool aussi en vrai. J'avoue que ça, en fait, j'aurais dû en acheter plein déjà en fait. Oh, c'est quoi ça? Rebond 2. D'accord, ça rebondit encore. Ok, très bien. Ça, j'ai déjà acheté. Et ça, c'est quoi? Accumulation 70. Bah, en vrai, je peux acheter tout. Hein. Je pense que je peux acheter tout. Veux-tu acheter ce pouvoir? Oui, je vais acheter. Ah mince, j'en ai acheté deux. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais, ok, très bien. Et là, course tonneau. Ok. Bon, je vois pas trop à quoi ça va correspondre. Ok, donc ça, j'ai acheté. Fun, rebond 2. En fait, j'ai tout acheté. Attends, je peux acheter rebond 2, en fait, c'est ça? Vas-y, on achète. Fun. Ok. B-disc, prix 200. Bébé foot, incroyable. Dogfight. D'accord, bon, de toute façon, j'ai plus assez de looms. Par contre, ça a l'air d'être gratuit, en fait. Il y a des mini-jeux aussi, ici. Très bien. Bon, bah, en tout cas, j'ai amélioré mes trucs. Partir, voilà, j'allais dire, je cherchais comment on partait. Très bien, bah oui, parce qu'en fait, ça fait 2-3 épisodes qu'on me le dit, et d'ailleurs, merci à vous. En fait, je savais pas où est-ce que c'était ce puits magique, on m'a dit, mais regarde les panneaux, à un moment, ils vont te le dire. Et effectivement, là, on est tombé pile poil dessus, donc c'était plutôt cool. Bah écoutez, nous, je pense qu'on va se laisser ici pour cet épisode de Rayman 2, The Great Escape, avec le troisième masque, du coup, en notre possession. Et a priori, on a amélioré nos pouvoirs, c'est ça, je peux charger... Ah ouais! Oh, je peux envoyer des grosses boules en fait. Ah ouais! Et du coup, en termes de cadence. Ah oui! En fait, il utilise ses deux mains. Ah ouais! Ah ouais, j'avoue, ça c'est stylé. Ça aurait été bien de l'avoir avant, notamment pour les chenilles là. Les petites chenilles noires là, c'était un peu galère. Bon bah écoutez, au moins on l'a maintenant, et ça c'est plutôt cool. En tout cas j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce en l'air, et on se retrouve très bientôt pour la suite de notre let's play sur Rayman 2, The Great Escape. Bye tout le monde!